risquer de ne pas rester en vie très longtemps après avoir dévoré ces aliments. Even a drop of poison can be fatal. Bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des aliments qui peuvent être mortels. We don't care what they look like, we'll eat them anyway they can fit on our plate. Pour cette liste, nous cherchons des denrées qui peuvent vous être fatales si vous les mangez ou encore si vous les préparez de la mauvaise manière. If you eat too many of these guys, they might just be deadly. Nous excluons les aliments qui provoquent une réaction allergique chez certaines personnes, telles que l'arachide ou les fruits de mer, pour la simple et bonne raison que la majorité des gens ne courent aucun risque en les dégustant. Wrong. Numéro 10, le taro. Ce tubercule aurait été trouvé pour la première fois en Asie du Sud-Est. Ses tiges de couleur violet clair et ses feuilles sont souvent consommées comme légumes et cuisinées de différentes manières, à la fois comme plat principal et comme dessert. Cru, en revanche, mieux vaut ne pas s'en approcher. Pourquoi ? La plante contient un produit toxique appelé l'oxalate de calcium dont l'ingestion peut causer des calculs rénaux et dans des cas extrêmes, la mort. Il vaut mieux donc le rôtir, le faire bouillir ou le faire cuire. Mais pour encore plus de prudence, ajoutez un peu de bicarbonate de soude ou buvez un verre de lait lorsque vous avez une petite envie de taro. Numéro 9, le piment Bhut Jolokia. It's more tingly than hot. Yeah. Vous trouvez que rajouter du tabasco dans vos plats les rend trop épicés ? Multipliez cette sensation par exactement 401,5 et vous aurez l'intensité du Bhut Jolokia. Burns so bad. Également connu sous le nom de Ghost Pepper, ce piment est l'un des plus forts au monde et il vaut mieux éviter de les manger en trop grande quantité. Here's some water, fool. En grignoter quelques-uns de temps à autre ne pose pas de problème, sauf pour votre bouche qui risque de souffrir un peu, mais trop en consommer peut provoquer des graves problèmes d'estomac ainsi que des convulsions ou des crises cardiaques, ce qui peut évidemment provoquer une mort douloureuse. Numéro 8, les œufs. Rocky Balboa a beau avoir l'air cool lorsqu'il le fait, avaler des œufs crus est loin d'être une bonne idée, croyez-nous. En plus d'être gluant et dégoûtant, il risque de vous donner la salmonellose. Et ça, ça n'a rien d'amusant. It's such an intolerable pain. You're hunched over, you've got a hot pack on your stomach, you're just trying to relieve the pain somehow, but it just doesn't go away. En plus de ça, l'ingestion de cru peut causer de graves diarrhées et vomissements et mener rapidement à la déshydratation et à la mort si les symptômes ne sont pas traités. In the worst case, the bacteria can get into the bloodstream and cause a severe infection called sepsis. That's life-threatening. Si votre système immunitaire est faible, de plus graves complications peuvent survenir. En gros, manger des œufs crus n'est pas une bonne idée, point final. That is so disgusting. Numéro 7, l'aké. What are you eating? Aké and saltfish. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, l'aké ou aki est un fruit populaire dans les îles des Caraïbes, particulièrement en Jamaïque. S'il s'agit de votre prochaine destination de vacances, tâchez d'éviter ce fruit tropical. Les parties qui ne sont pas mûres contiennent des toxines mortelles, les hypoglycines A et B, qui, une fois ingérées, réduisent fortement le taux de glucose. Cela causera de l'hypoglycémie ainsi que la maladie des vomissements de la Jamaïque qui peut provoquer des convulsions ou causer la mort. Le fruit est tellement dangereux que son importation en boîte de conserve a temporairement été limitée aux États-Unis. Il est assez méconnu et il est donc probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Have this little hacky and you leave it to simmer. Numéro 6, le sanakji. Many would call it ugly and disgusting. The one thing they wouldn't call it is dinner. Ce n'est peut-être pas visible au premier coup d'œil, mais le sanakji-o est une collation assez populaire en Corée. Qu'est-ce que c'est, demanderez-vous ? C'est une pieuvre vivante. Ce petit être sous-marin à 8 bras est encore en vie et rampe dans l'assiette que l'on vous sert. Ce qui signifie que lorsque vous mangez un sanakji, vous prenez le risque de vous retrouver avec une ventouse accrochée à l'œsophage et donc de vous étouffer et de mourir. De nombreuses personnes sont décédées en avalant ce mets, si bien qu'on se demande vraiment pourquoi il est toujours servi. They're brave. They're very brave. Numéro 5, les champignons. And that one is poisonous. Il existe de très nombreuses variétés de champignons. Il y a les délicieux champignons comestibles que nous mangeons depuis des siècles. Il y a ceux qui vous font voir de jolies couleurs. Et puis,
Il y a les champignons toxiques qui peuvent vous tuer de manière horrible si vous les consommez. Mais elle conduit généralement à une insuffisance rénale, hépatique ou bien respiratoire, dépendant du champignon que vous avez mangé. Soyez très vigilant lorsque vous les cueillez vous-même, car certains d'entre eux sont très similaires aux espèces comestibles. Bien que la plupart des champignons ne causent rien de plus que des problèmes d'estomac, la mort n'est pas exclue. Numéro 4, la baie de sureau. Poussant à la fois dans l'hémisphère nord, l'Amérique du Sud et l'Océanie, le sureau peut sembler délicieux à première vue. Pourtant, en avaler peut être extrêmement dangereux pour la santé. Plusieurs parties de l'arbuste, telles que les feuilles, les graines ainsi que les baies elles-mêmes, contiennent des glycosides cyanurés. Du coup, lorsqu'elles sont introduites crues dans l'organisme humain, ces parties produisent, vous l'avez compris, du cyanure. En gros, consommer une quantité importante de baies de sureau crue revient à avaler une pilule de cyanure. Inutile de vous dire que ça risque de mal tourner pour vous. Never go in against a Sicilian when death is on the line. Numéro 3, le poisson globe. Now, who messes with the blowfish, Jesse? Nobody. You're damn right. Connu dans le monde entier pour sa toxicité et ses effets néfastes, le poisson globe, également connu sous le nom de poisson ballon ou fugu au Japon, est l'un des aliments mortels les plus célèbres. Ses organes sont extrêmement venimeux à cause de la neurotoxine qu'ils contiennent, la tétrodotoxine. Blowfish, isn't that poisonous? It's a rare delicacy for the man who has no fear of an excruciating death. Si vous dégustez l'un de ces morceaux empoisonnés, votre corps se retrouvera paralysé, bien que votre esprit demeurera alerte jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est interdit à l'empereur du Japon d'en manger. Seuls les cuisiniers qui accumulent des années d'entraînement sont autorisés à servir ce mets dans les restaurants. C'est bien un minimum. Fugu! It is blowfish, but I should warn you that one... Come on, pal, fugu me! Numéro 2, l'amande. Do you see these almonds on my split? Yes, sir, Mr. Johnson, I see the almonds on your spliff. Mr. Redmond, you know I don't like almonds on my spliff. La consommation d'amandes est potentiellement dangereuse. À tel point que depuis 2007, le département de l'agriculture des États-Unis a rendu obligatoire le traitement par la chaleur et la pasteurisation afin d'éviter la salmonellose. Cela dit, il faut savoir qu'il existe deux types d'amandes, les amandes douces et les variétés amères. Et c'est avec la deuxième sorte qu'il faut se montrer prudent. En effet, leur taux de cyanure est bien plus élevé que dans les amandes douces, qui n'en contiennent quasiment pas. Certaines cultures utilisaient l'amande amère de façon médicinale, mais même une dose minuscule peut être fatale, surtout chez les enfants. En Nouvelle-Zélande, elles sont considérées comme un danger potentiel et sont interdites à la vente ou à l'achat. Heureusement, ce sont les amandes douces que l'on trouve dans le commerce, et non les variétés amères, même si quelques cas de contamination ont déjà été rapportés. I snipped this off a rather recumbent rat in the slaughterhouse. Note the blue discoloration, the faint smell of bitter almonds, telltale traces of cyanide. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Because the leaves are actually not edible. They contain toxic levels of oxalic acid and they're poisonous. The researchers conclude that while nutmeg is much cheaper for use and probably less dangerous than heroin, you don't want to take too much. Pick through a pound of dry red kidney beans to discard any broken or discolored beans. Numéro 1, la pomme de terre. Potatoes. Boil them, mash them, stick them in a stew. Les pommes de terre sont l'un des aliments les plus appréciés, surtout lorsqu'elles accompagnent de la viande. Elles sont sans danger si consommées à temps, mais si elles tournent au vert, n'approchez pas. Les pommes de terre produisent un glycoalcaloïde appelé la solanine, un poison naturel qui sert à repousser les prédateurs et qui marche très bien sur les humains, puisqu'il est toxique. In one case from 1899, 56 German soldiers all experienced the symptoms of solanine poisoning, which can include diarrhea, vomiting, headaches, coma, and even death. Un homme adulte moyen peut manger environ 450 grammes de patates vertes avant d'être empoisonné mortellement. Cela dit, on ne voit pas pourquoi quelqu'un irait manger une pomme de terre verte en premier lieu. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Quel aliment toxique trouvez-vous le plus dangereux ? There is no known cure, and it's particularly cruel as you start to feel better just before you die.
Pour plus de top 10 informatifs, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo Français.